Voilà, Haïtien Femsom, jeudi à 6 juillet 2024. Et Jean Saté a annoncé, actuel Premier ministre, Dr. Gary Conille, eh bien, monsieur, débarqué dans le pays, après 9 jours qu'il s'est passé aux États-Unis d'Amérique, plus précisément, dans la capitale politique mondiale, là, qui c'est Washington, D.C. Et Dr. Gary Conille, bah, on prend des presses dans le salon diplomatique, là, dans l'aéroport international Maïgatéan. Et nous prenons le fort en là. Parce que est extrêmement important, matin, on me dit, et de Tobaga qui est extrêmement important sous déplacement Dr. Gary Conille et ça que le dit les joindre comme enveloppe dans et déplacement là et nous t'ai essayé à faire une comparaison et par rapport ensemble avec et un président qui sorti dans le continent africain qui c'est président William Ruto qui était monté dans Washington DC il était recevoir président et où les tapis rouges pour lui tourner la tourner les jeunes plus passer 250 blindés au courant moins plus passer 16 hélicoptères plusieurs milliards de dollars américains ça veut dire que c'est de gros bagages qui que américains pour collaborer ensemble avec pour aider et pays Kenya et nous même nos déplacements qui fait avec le premier ministre et qui nous connaît qui alors qui ses amis de gros palto de haut fonctionnaire dans le gouvernement alors président Biden non et ben président alors premier ministre arrivé l'autre bord hein Rivel, il dit le jeune support qui c'est 40 millions de dollars américains. 40 millions de dollars américains, ça on pète. Ça c'est même Jean et sénateur André Chichet de Dil, c'est un caca. Pour un pays, ça c'est un. Pour moi-même, comme si pour un grand monde, Léon Cob. Mais pour un pays, il va Cob. Mais par conséquent, si c'est mandé, n'a pas marché mandé, ça ou la gagne en cuir, c'est merci pour dire. Ça ou la gagne en cuir, c'est merci pour dire. Pendant que Haïti a marché chercher 40 millions de dollars américains, bien encore, on petit bol blé, a gardé qui ça moun a mettre là-dedans, eh bien, Haïti gagne environ 10 familles dans le pays, qui a fait plusieurs dizaines de millions de dollars américains chaque mois dans le pays. OK? Il y a des oligarques qui ont fait plus de 90 millions de dollars américains dans le gaz seulement. Gagne qui a fait l'électricité dans le pays, gagne qui a fait dans le port, dans l'aéroport, dans le contrebande dans le pays. L'État n'a pas voulu mettre contre tout ça. Nous plus plutôt à marcher en bol blé pour nous marcher de tous côtés et puis nous avons riche dans le pays, tout le monde a gardé là. Docteur Conille, ou pral parler avec le pays. C'est normal, ou sorti, ou gen bilan pour bail, nous pral faire peuple attendre. C'est très intéressant. Nous pas gen bolon avoir du tout. Sauf que ça qui est important pour nous, c'est que c'est gonfler pour être nous comme peuple. Situation que nous vivons aujourd'hui, nous pas n'entêter langue avec personne. Il s'agit de situation pays d'Haïti. Elle a compliqué pour nous, mais il faut nous caler les yeux, nous, peuple haïtien. Pour nous garder comment travailler des têtes, nous, sortir, lancer qu'on trouve. Voilà. Et avant que nous attendions Dr. Gary Conille, nous venons pour nous parler de. Et gros bout de ton déclaration ou bien intervention que Jimmy Cherizier et Barbecue, qui réitérait même déclaration qu'elle t'a fait dernièrement, côté qu'elle t'a dit que lui lancer un appel au dialogue. Il m'a dit dialogue, pour y jouer une entente. Barbecue finalement, tout de suite après, yon intervention que Dr. Gary Conille fait dans RFI, quand elle dit clairement, journaliste a posé la question, son appel Jimmy Cherizier Barbecue est lancé pour que vous te jouiez un dialogue, on entend pour nous pour te dialoguer, pour déposer les âmes. Dr. Gary Conille te répond favorable, façon qu'elle te répond dans l'éclair, il dit que c'est déposer les âmes, reconnaître l'autorité de l'État, et puis automatiquement par la suite, il y a une possibilité pour que ça qui vient après, qui se dialogue là. Et tout le pays a chauffé, tout le monde net, ce n'est pas de ça que aucun bé. Justement, les sociétés en pile débat, pas oublier, l'on parle de gang criminel assassin, gang à sa patte, c'est des criminels, notre droit des terroristes, qui ont kidnappé, qui ont violé petit, qui ont violé madame moun, qui ont tué papa petit, qui ont tué petit bébé, qui ont mis du feu sur moun, c'est des gens qui ne sont pas pardonnables. C'est comme ça que nous sommes. Mais par conséquent, pour capable résoudre le problème dans le bien, il faut qu'on généralise le cas. Est-ce que si gang a sa patte plus criminel que Nenel Kassi? Est-ce que le plus criminel que Gilbert Bidjo? Est-ce que le plus criminel que Edouard Bossan? Est-ce que le plus assassin que Renaud Dib? Est-ce que le plus assassin que Joseph Michel Matéli? Automatiquement, on commence là. Parce que gang a 3 étages. Étage 1. Les oligarques corrompus. Étage 2, la classe politique traditionnelle d'assassins. Étage 3, qui c'est gang à sapatio qui a terre, qui a volé bagay moun, qui a boule bagay moun, qui a kidnappé moun, qui a fait toute qualité sa palonette pour dollars américains capable d'aller dans le premier étage là. Qui c'est bank oligarque yo. Parole sa yo,
n'a yo pas parlé pour vous. Mais nous-mêmes, responsabilité nous, c'est aider à comprendre. Aider à comprendre pour capable qu'on est avec qui est-ce qu'on a fait. Et l'autre dossier pour moi, alors, ma fonte intervention sur lui, avant que nous rentrions dans le point de presse, Dr. Garigonien, que monsieur que n'a pas été récité, parce que nous avons critiqué nous, pour nous faire un espace commentaire là, faut nous tendre et intervention tout d'abord, pour que nous capables de faire commentaire que nous devons faire. Il est extrêmement important. Maintenant, nous avons un pile et compatriotes haïtiens, qui voyaient pour nous, un bel établissement, un bel building, yo di nou ki coûte 60 millions de dollars américains que Bishop Grégory Toussaint construit dans l'état Floride aux États-Unis d'Amérique. Et en pile moun a fait débat sou li. Moi gade de commentaires tout dans les que vous voyez pour moi. Moi voyé en pile critique. Moi en pile haïtien critiqué. Y a moun ki di communauté haïtienne, c'est les mêmes qui sont pauvres, États-Unis d'Amérique. Au lieu de construire, maquette, faire de l'autre bagaille, c'est l'église qui a construit pour plusieurs millions de dollars américains. On n'a pas de parole qui a parlé. Moi, attendez, je prends ça, je lis des commentaires. Même si je n'ai pas de commentaires, tout. Quand je dis que je suis bravo. Il y a des gens qui disent, moi, je contribue. Grâce à mon Dieu, je contribue. Je suis bravo. Ça veut dire que m'a essayé garder deux sons de cloche et puis pour moi même pour plus ou moins comme haïtien pour me dire bagarre. Mais tout d'abord ça m'a dit m'a pas venir positionner sous dossier ça, mais m'a parlé de alors n'a parlé de Grégory Toussaint. M'a dit chaque frère avec somme cap tendez m'cap garder là, et c'est si tout le monde connaît que m'bajam qu'on a chez Figimoun. Vérité m'a dit les gens que lié haïtien m'a dit nous ça jodi a apprendre bay valeur avec haïtien pareil nous, apprendre valoriser frère haïtien pareil nous là nous ayo atteindre une dimension. Tout d'abord automatiquement nous capable faire ça comme dépassement de soi, connait ko ou doit valoriser yon moun ki nan entourage ou k'ap fè effort, ou doit faire tout effort ko capable pour pare haïl remèl pito, ou bien prend exemple sou li respecter l valoriser l. Automatiquement capable faire ça yo comme travail la caillou, me garantis yo tout ça qui était devant comme obstacle, bon j'ai débarrer ça pour tout piège qui t'attend pour bon j'ai débarrer, parce que cœur vinn propre ou retirer toute vieille haine qui était la caillou ou pas j'ai avec cœur bon j'ai béni on n'a pas de Grégory Toussaint. Grégory Toussaint c'est un pasteur haïtiano-américain. Ok? Grégory Toussaint gagne l'église dans plusieurs pays dans le monde. Là. Pendant que le pape présent, il y a audiovisuel. En Dominicani, Mouel, il gagne le Santiago. Moun yo toujours à intéresser, partager ça au gagne comme offrande. Mais offrande, son bagay qui volontaire. N'a pas de 60 millions de dollars américains pour construction yon l'église qui gagne en pile espace. Ça m'a regardé à moi son bagage qui belle en pile. M'a pas connu, m'a pas expert dans domaine non, m'a pas connu sonorisation combien comme il ca coûter, m'a pas connu comme si m'a pas doué à faire ça tout. Ça c'est l'agence a parlé sous dans pays non. Alors États-Unis d'Amérique, si t'as un contrôle qui pour mettre, nous pas même que t'as mettre le même l'état américain t'a peut-être questionner. Pasteur Grégory parlait, dans un premier temps, il parlait de 45 millions de dollars américains. Maintenant, il vient parler de 60 millions de dollars américains. Moi, je critique. Premier bagage que m'a dit, moi, songe, match international ou bien soulevé campé international dans plus de 67 pays que Pasteur Grégory Toussaint te mette moun de yo. Bon, quasi 66 pays, haïtiens, dominicains, pas de chance pour la rue, mais ils ont mobilisé la caillou. Ils sont en direct sur toute plateforme. Si Grégory Toussaint capable de mettre moun de yo, haïtien ou étranger, dans 66 pays ou bien 67 pays, on seul coup, dans même l'heure,
OK, a parlé même parole avec même couleur maillot, même message qu'a lancé. Si Grégory Toussaint comme un haïtien natif natal capable de faire qualité de travail ça, m'a demandé ou même frèm, sèm, k'ap tandem, k'ap gadem la jodi a. Li son pasteur l'église. Priorité l vision le rêve li. Peut-être c'était qui doit wel nan un pi gros établissement qui gagne dans monde là pour moun adorer bon Dieu. Moi même qui gagne micro jodi a. Rêve moi. C'est wè que m gagne un pi gros chaîne télévision dans monde là. OK? Pour que tout haïtien capable vini pour dire ça, c'est yo qui contribue, qui construit. C'est yo qui collabore, qui construit. C'est comme ça que mouel. Le ça, haïtien pas besoin comme si m'a dû passer, ou besoin passer un message ou à venir dans station Paul, ou contribuer mettre l'argent là, la servir communauté, nous contribuer pour nous construire. Grégory Toussaint comme pasteur, qui bishop, je ne j'ai dit, révérend pasteur Grégory Toussaint, ou pasteur Mkadi mondial. Eh bien, s'il est capable de mettre haïtien ou étranger de yo dans plus de 66 pays, dans une seule date, dans un seul moment, à parler une seule parole, 60 millions de dollars américains, pas yon pipe tabac. Moi, je veux que chaque grand dans nous, cap tande, cap gade là, connaît ça. Si pasteur Grégory Toussaint capable de faire appel avec haïtien qui dans plus de 60 pays sous la terre, qui accompagne de étrangers, li capable mettre yo de yo, non seul date, nan même le, avec même maillot, a parlé même parole, moi garanti nou, 60 millions de dollars américains, ça pa vaut un yé pour Grégory Toussaint. Pour communauté ça, que li même li influence ya, que, ou bien assemblée ça yo, qui l'a dirige yo. Et m'vle fè nous connaît que, nous c'est black, peut-être nous qui n'a pas gen même mentalité avec les Africains. Frère nous yo, Africain nous yo. Dans le continent africain, mais comment ça, mais comment mouel? Et qui on a côté que moi-même m'a. Alors, m'intéressé pour m'aller visiter, c'est Nigeria. Dans la zone d'Abido, parce que je suis fanatique d'Abido, moi mets d'Abido en pile, whisky. Est-ce que vous comprenez? Et monsieur Sayo. Et Rema, Bunaboy, comme si m'en vie à l'an pays nek Sayo, pour m'aller yo, pour m'ouer côté yo. Faut me faire effort pour me faire. M'a dit nous que yo respecté moun entourage yo qui grandit avec yo, qui leva avec yo, qui est l'école me compte ensemble avec yo, qui grandit économiquement, qui réussit dans la ville. Moun ça yo grandit, li pa jamais quitter équipe ça parce que équipe là pas frustré. Yo respecté l. Et m'a dit ça, m'pa mande nous pour nous faire dans communauté pas nous parce que pas notre tradition non. Est-ce qu'on connaît Dabido, il y a des amis de France. Quel gagne, qui levé, qui grandit avec elle, qui fait tout pas quoi ensemble avec elle. Yo style rete zamil. Et ou konnen le Dabido au côté. Zami sa yo, par exemple, font 2 mois. Ou bien 1 mois et demi ou pas ouais. Est-ce qu'on est le Dabido chita en côté ou bien marche en côté? Zami sa yo, pour venir saluer Dabido, pour yon sa yo fait. Yo descend à terre en pied et puis pour Dabido levé ou monte pour yon saluer. Maman de nous pour nous faire ça parce que nous avons connu que haïtien pas nous pas nous pas salaire caï nous pas personne monde qui ka mande nous faire ça nous pas baisser tête garder nous pas baisser tête pour personne c'est tempérament pas ça comme haïtien parce que pas oublier nous sorti dans l'esclavage que des misères que nous fait passer c'est et forcer nous forcer nous mettre tête nous à terre pour battre nous et ben nous lever tête nous c'est écraser nous crasons l'armée on la met tête chargée pour que nous prenions indépendance nous depuis là ça nous garder tout le monde dans yeux nous pas jamais peur monde moi connais ça la caï nous c'est pas dire que me dit pour nous baisser tête nous garder personne. Et même dit nous que pasteur Grégory Toussaint influence monsieur la communauté hein lui montre nous à clair que pas rien que monsieur besoin réaliser dans communauté a il pas réaliser pas rien que monsieur t'a voulu aider nous faire dans communauté a pour pas aider nous faire mais sauf que mon a des priorités. Il est important pour que nous comprenions ça. Et en pile débat dans la société ya, par rapport avec l'église là. Monsieur, si c'était dans le continent africain, tu es un pasteur africain qui a réalisé
gros coquin chaîne l'église ça dans l'autre pays alors ou bien ou bien en Afrique li pas vibe ça m'a regardé là bon côté non c'est comme si m'a dit il y a des monde qui commente qui même fait ça qui même qui go énergie monde dégager les même force sentir que Grégory était supposé prendre retirer le dans misère pour te et pour comme si pour pas pour projet pas de construire non m'a dit ça journée jeudi a fait tout ça qu'on capable pour c'est vous-même qui était tout sorti. Il était tout sorti comment? Ou n'a pas capable vous-même personnellement avec tout le monde besoin moun ba yo les bras. Mais retirer haine dans cœur. Retirer haine dans cœur ba l'amour avec chrétien vivant pareil. Et puis mon Dieu dans celle-là a ouvrir porte pour. Ça me banoul comme secret. Alfel ou pas même venir demander m'las la même. Ou ap toujours un résultat. Grégory Toussaint, bravo. Bon baton ti bravo. Pour pasteur Grégory Toussaint. OK? Voilà. M'baton ti bravo pour pasteur Grégory Toussaint. Et m'a dit le continuer. Li ka aider nous plus toujours parce que me senti ça, li gen capacité. Et y a pile bagay ki capable aider nous gérer dans communauté ya. Et m'a dit nous ça honnêtement peuple haïtien. Je dis c'est le moment pour que nous t'app essayer et permettre tout alors vann haïtien qui font pile effort dans communauté là. Et me souhaite que vous pas peur parce que les efforts qu'on fait comme haïtien pareil ou doit tendre ou mon a parlé de ou et tendre ou tout pour au moins ou t'a partager un petit cas l'expérience ensemble avec vous. Ou doit utile comme communauté a que des connaissances comme si n'adou gen moun ki gen dans communauté a nous pas supposé rester pour nous avec Shirley avec haïtien c'est pas tout haïtien qui va apprendre il y a pile haïtien sûr c'est majorité haïtien qui parle pour apprendre connia parce que ouais état que ouais c'est parce que pas apprendre rien mais ben, yo croit que faut que petit tu apprendre petit tu gen volonté quelque part on nous met tête nous ensemble comme peuple trop division entre nous nous japper une l'autre nous attaquer une l'autre trop ou même peut-être qu'a critiquer moun kan dans l'église dans les mêmes pas critiquer il va critiquer l'autre t'a bay $1,000 $2,000 $10,000 $100,000 ça va déranger parce que lui même il croit que c'est prier le bon Dieu bénil qui cause capable de $200,000 to $300,000 américains pour contribuer nos projets dans dimension pareille à nous essayer retirer ça parce que nous avons trop préoccupation moun garantie parce que ça yo on a fait nous pas nous perd du temps pour nous focus sur situation pays d'Haïti et puis on a perdu dans nos bagailles qui pas qu'on pas ca bloquer. Pour qui était autour gain pour t'al bloquer. Même moi son belle bagaille que lié. Bravo avec pasteur Grégory Toussaint, le gars de Boué, yon drapeau Haïti, yon drapeau américain et bien dans tête l'église an, et puis rendant son bagaille standard international. Waouh, franchement, moi même pour le visiter et me sûr que m'ta supposé dimanche prochain qu'a vinn là, m'ta supposé font passer ouais et pasteur Grégory Toussaint. Si m'te ka wel tap content bal la main, ça t'a fait un plaisir. Et si vous avez kap tande là, et passe message à moi, m'tap content bal pasteur Grégory Toussaint la main, et fom dal wel. Et m'salue tous les amis qui marchent dans l'église Shekina, surtout belle et building ça, m'ap content à le visiter, et m'en vie aller dans un moment côté que l'église là a fonctionné. Et m'ap préparé ça pour moi, à partir de dimanche kap vin là, pour moi si m'bata aller, l'autre dimanche. Et n'ap gade pour nous, pour nous t'avoir organisé ça. Je salue tout le monde en général, effectivement, qui dans la grande famille Shekina. Je dis nous Kembela, bravo pour nous, pour Goko Kenshen, réalisation ça. Je dis nous Kembela. Et Grégory Toussaint capable d'aider en pile dans la communauté. Il faut que nous valorisions. Mounda Kou Johnson, Napoléon, il est capable d'aider en pile dans la communauté. Il faut que nous valorisions. Nous jouons en pile haïtien qui fait effort dans la communauté. Maraville, mais. Et c'est des gens qui sont toujours présents pour la communauté, il faut que nous valorisions. Et il y a une madame que je rencontré, alors je profite pour me saluer, désolé, je vais songer non. Il dit que c'est madame et maire et Miami, alors je vais songer qui est côté non. Il y a un responsable, il y a un haïtien qui est autorité, ici aux États-Unis d'Amérique. Je vais rencontrer les gens funérailles petit Loco Désir, qui était fait dans tout près de la zone West Palm, c'est pas trop moi. Et je salue madame non. Alors je vais saluer tout haïtien qui a fait effort dans la communauté. Et faut qu'il s'est retiré hypocrisie de côté pas des monde qui doit et comme nous pensons que tout le monde doit nous bagaille non
que le monde qui a fait effort dans la communauté, effort que l'a fait, il a fait des bagages pour utile la communauté. Mais ou même spécialement, ou pas qu'il a fait des bagages parce qu'il a fait des bagages pour vous. Il n'a pas droit ça. Il a essayé de faire des bagages pour tout le monde bénéficier. Ça qui arrive, il a gonflé pour un tchou, pour son loi qui prend au niveau Sénat américain ou du Congrès américain, il a même gonflé pour un tchou, influencé au fait ou influencé, pour qui sorti, qui allait dans ce sens. Ou pas jamais connaître des dommages qui ont fait dans le gouvernement américain, ou pas jamais connaître ça qui fait la fête. Ça veut dire qu'il faut que nous respections les Haïtiens, et justement, qui sont soit Canada, soit la France, soit États-Unis, soit dans l'autre pays, qui ont essayé de faire effort. Valoriser les compatriotes haïtiens pareil, nous. Respecter eux. Suspend ti vie bagay sou haïtien pareil nous pendant que nèg k ap vole kòp peyi nou k ap vole kòp tax ou toujours kite lò pè pale de li et pou prêt pou jape Grégory Toussaint suspend ou prêt pou attaquer Johnson Napoléon suspend parce que konnen yo pa criminel yo pa tout yo mon pè pale de Boulos ou pè pale de Dimitri Vob ou pè pale de Bossan ou pè pale de assassin ki touye yo président de la République même sou pa ou pa fanatique président mais fort dit que yo pa de pou touye ou pè di sa yo mon prêt pou attaquer critiquer Grégory Toussaint. Moi-même, j'ai un pasteur Kayo dans le Canada. Son gros pasteur haïtien. Qui a évolué au Canada, dans le pays Canada. Son monde qui représente la communauté haïtienne dans le Canada. Ok? Son gros pasteur. Il y a un pile pasteur Frank de Boston. Un pile respect pour lui. Il y a un pile pasteur qui nous gagne aux États-Unis d'Amérique. Alors, il y a pasteur Mallory. Pour moi, il y a un pas net. Il y a un comme ça. Pasteur Mallory. Mallory, il y a un pile. Moi mes tempéraments, moi mes factions, alors façon monsieur fonctionner, moi mes comme si nèg monsieur gon fougue, monsieur gon alors monsieur son nèg qui gen cran en bon créole, est-ce que comprenne? Pasteur Mallory me salue ou et me ta content le mal New York pour que mal visiter assemblée hein, mal saluer haïtien, haïtienne New York qui dans communauté dans New York City. Moi salue pasteur Mallory et pasteur Mallory, moi salue ou m'a dit que bella. Et me salue tout haïtien général justement et qui t'a suivre inauguration gros coquin chaîne projet ça qui c'est l'église Shekina International c'est pas trop moi pas connait tabernacle de gloire ou bah comme ça et me salue tout le monde salue tout haïtien général cap tande cap garder émission aujourd'hui hein, qui c'est 6 juillet 2024 là moi content pour que ensemble avec nous et dans émission ça aujourd'hui j'aime te dire nous pas le tande et naturellement docteur Gary Conille qui c'est actuel premier ministre dans la Coupe d'Haïti qui se passe 9 jours et ben justement dans la capitale politique mondiale qui c'est Washington DC nous pas le tande ils font une intervention et je dis qui est extrêmement important pour nous tande parce que les deal vient avec des bagailles folle ba explication et ben nous même tout n'a parlé nous pour nous tande le tout parce que s'il dit la parler et ben pas de problème n'a faut parler Grégory pasteur Grégory on fait le parler non peuple haïtien parce que alors dit pasteur Grégory et PM Gary Conille en nous tendez et puis n'a tourné pour commentaire info beto monsieur Gary de la presse merci beaucoup à saluer nous à matin parce que nous recevons nous samedi à commencer évidemment par avoir sympathie à tout le monde sud qui est à cause de cyclone hier nous avec passé nous pour eux. Profitez tout pour saluer famille, amis, camarades, les policiers qui tombent encore une fois dans la base assassine dans des conditions qui sont tout à fait inacceptables. Profitez pour les sympathies de ma famille. Je veux que la plus grande prière. C'est toujours très difficile pour les responsables d'avoir fait la première nouvelle de Barreau. C'est que dans les circonstances difficiles, nous avons jusqu'à présent été victimes dans conditions qui sont tout à fait inacceptables. Et engagement. La police a fait tout ça capable. Nous avons fait ce genre de situation sérieux. Alors, vu l'encore que je dirais, c'est pour parler un petit peu de voyage nous sommes fait à Washington. Pour qu'ils s'en aller, s'en aller chercher, s'en voter et pour qu'ils s'en important pour nous. Dès le début, nous connaissons que moi-même persuadé que les quatre bails qui pour arriver pour que nous réussir la transition. Le premier barrière, c'est que toute société haïtienne est engagée. On est quelques milliers d'hommes qui ont un plus de 12 millions de monde. Nous avons une situation pour des bails d'élection, nous avons une situation pour des gens qui ont souffert. Le premier barrière, c'est que les haïtiens ont été ensemble, société civile, tout le monde vient travailler ensemble pour être plus efficace, pour nous prendre des systèmes en main, pour réussir la transition. Deuxième barrière qui est important pour réussir la transition, c'est que l'institution marche mieux. Regardez-nous que vous avez des institutions là, vous êtes excessivement fragiles, nous avons perdu
volonté de Carayo, en pile monde parti, monde qui prend une décision, l'institution pas là, police pas pour mais en zone très souvent. Deuxième partie importante, c'est que nous avons renforcé la capacité instrument nous gagnons, nous sommes capables d'adresser le problème que nous gagnons. C'est une base très importante pour le succès de ça. Troisième élément qui a été mis en place, c'est comment nous pouvons travailler et utiliser une pile d'efficacité, une pile de zames sur le diaspora. Des centaines de milliers de millions d'Haïtiens dans le droit qui ont gardé un petit diamant qui est là, qui est là, qui et qu'à chercher les gens pour travailler, les gens pour venir, les gens pour supporter, les gens pour accompagner. Et quatrième élément qui est important pour sortir de la crise là, c'est comment la communauté internationale là va accompagner. Cette année, nous avons moins que 30% de demandes humanitaires que nous faisons que nous recevons. En termes d'aide publique au développement, nous avons moins que 800 millions comparé à San Denis, le pays n'a pas la situation que nous avons. Pourcentage nous gagnons en général de l'exécution excessivement bas. Au jeune nous gagnons qui est souvent décousu, pas aligné avec la réalité dans le pays. Sentiment d'urgence, le peuple haïtien dit non, assez souvent, il n'y a pas senti d'urgence pour que la communauté internationale accompagne avec fougue et conviction. Il y a une bonne raison pour ça. Donc, pile l'autre crise à travers le monde. Pays qui habituellement accompagnent, ils ont même tout, ils ont des problèmes, ils ont fait face à eux, ils ont des préoccupations par eux, projet Haïti à son projet, ils l'ont donné depuis longtemps, ils l'ont jamais fait. Donc, il y a pile raison pour lesquelles, que depuis quelques années d'ailleurs, niveau d'engagement que nous besoin de la communauté internationale, là, j'en ai besoin d'engager pour qu'à sortir de la crise là, mais pour eux. Quatre éléments, il faut jouer ensemble pour nous sortir dans cette année-là. Voilà pourquoi, depuis environ deux semaines, nous engageons une démarche volontaire. D'abord, nous voyons le ministre des Affaires étrangères à Paraguay, pour avoir une série de rencontres bilatérales avec un paquet de partenaires qui est plus important pour nous, pour le bon message. Pour dire que nous avons fait progrès, nous avons avancé. Nous avons un accord politique qui bat le système de gouvernance quatre marches. Nous avons un conseil présidentiel qui, par exemple, premier ministre, nous montons un gouvernement en 7 jours, nous avons défini la stratégie, nous avons renforcé la police. L'État ici a vraiment une bonne vision, un projet pour être capable de sortir dans sa liée à son période très limitée. Nous sommes capables de réengager nous en Haïti, nous sommes capables de retourner dans le projet haïtien. Nous sommes capables de venir à Haïti à PCFR pour nous solidariser nous avec nous. Même Jean Haïti, historiquement, solidarisé avec l'autre pays, le l'autre pays a un problème. Le ministre des Affaires étrangères a initié une discussion sur ça. Nous-mêmes, nous partons à Washington. Nous partons à Washington avec le ministre des Finances. Nous partons à Washington avec le ministre gouverneur de la Banque. Nous partons à Washington avec le ministre des Affaires étrangères. Nous déjà préparé de venir joindre nous. On a parlé d'abord avec l'institution financière. C'est ainsi que nous avons rencontré la Banque mondiale. Et nous l'avons avec le ministre des Finances parce que c'est gouverneur Banque mondiale. Nous l'avons avec le gouverneur de la Banque parce que c'est BIC vis-à-vis fonds. Et nous l'avons tout avec les deux pour en discuter avec BIC. Et nous avons une discussion très, très, très constructive avec. Encore une fois, vous me dites, il y a quatre bagages. L'un garde pour nous un niveau d'accompagnement dans Haïti, il n'y a pas mené nous pour nous garder. L'un garde pour nous une rapidité avec le décaissement en fait, nous pouvons satisfaire. L'un garde pour nous une contextualisation priorité. Nous pouvons tellement voir une barrière ou une. Le but, c'est de rassurer eux, même que des grandes questions pour nous. Comment on va l'avancer sur les prochains mois? Est-ce qu'on va résoudre le problème sécuritaire? Un élément que je préfère, c'est que ce n'est pas chite à résoudre le problème sécuritaire à résoudre pour nous commencer à engager. Il y a une solution pour côté au moment même où on n'a pas avancé dans la question sécuritaire. Par exemple, lorsque le policier soit reconstruit immédiatement, au fur et à mesure que nous avons regagné l'espace, pour remettre l'école sous pied, remettre la santé sous pied. L'État a recommencé à bailler à pile à l'institution. Il y a des programmes sociaux qui vont accompagner nous tout le temps. Donc nous ne pouvons pas attendre, nous ne pouvons pas camper en regard, c'est pour engager nous au même moment que nous avons avancé dans la question sécuritaire. Immédiatement après la discussion qui est faite avec l'institution, le ministre des Finances avec le gouvernement a arrêté Washington. Pour engager une conversation autour de exactement qui ça a besoin, comment on a besoin, qui en a besoin. Pour que l'accompagnement soit beaucoup plus ciblé
beaucoup plus cohérent, beaucoup plus efficace. Et ça, c'est déjà une grande, grande, grande réalisation. Avec l'institution financière, au plus haut niveau, on est trois bagages. Un, de comprendre et accepter que bon situation qui est basée sur l'accord du 3 avril, les nouveaux priorités définies, et en même temps, il faut y ajuster pour mieux accompagner le gouvernement, ce qui est essentiel pour cette transition. Je suis d'accord avec nous que nous allons ouvrir le portefeuille là pour nous assurer que le projet que nous allons insister sur eux, complémentaire à ça nous allons faire pour restaurer la sécurité. À la fois, ça l'a fait dans la région métropolitaine et ça l'a fait en dehors de la région métropolitaine. Ça, c'est tout aussi le premier rapport que nous faisons et nous sommes très, très contents de ça qui sorti de nous. Plus particulièrement, Bibi, même dit nous, bien content de nous là parce que justement, nous avons 40 millions de dollars que nous avons perdu. On travaille vite, pour nous comment nous réinvestir le moment pour compléter soit DIA, qui c'est le recouvrement, l'accompagnement au niveau du développement qui est indispensable pour nous faire progresser dans la question sécuritaire. Donc sur ce point, c'est l'une des au moins bagailles que nous devons réaliser, que nous réalisons. Mais plus que ça, l'institution, ça en général, il y a une pile d'influence. Il y a une pile de convaincre l'autre pour que effectivement ça y a bon et ça y a avancé. J'ai l'impression que nous sortir dans la discussion avec des gens qui, je dis, sont beaucoup plus convaincus que Haïti, qu'on côté de l'année, les bonnes directions, la population à supporter et nous parler eux-mêmes pour les engager. Deuxième série de discussions que nous avons à Washington, c'est tout ce qui concerne la coopération avec le département d'État. On connaît que la coopération, il y a assistance pour mission, il y a assistance au développement, il y a assistance pour l'humanitaire, il y a toute une série de champs. Côté que l'intervention est tout excessivement importante pour le succès, j'en ai dit la transition. Nous faisons des discussions très très importantes sur d'abord l'urgence, la nécessité de la cohérence. Une vision commune sur c'est quoi la définition du succès. Par exemple, nous d'accord sur le fait que éventuellement le succès de la transition, c'est la réconciliation de la police avec la population, avec sa communauté. Ça passe nécessairement par une police qui est vue, acceptée par la communauté, que la communauté supporte. Donc ça, c'est un bail qui peut arriver après, c'est un bail qui peut commencer déjà dans la planification. Donc l'urgente nécessité pour travailler ensemble, au fur et à mesure que le reste contingent va finir, nous ne pas perdre du temps pour renforcer la capacité pour l'histoire, pour investir là-dedans, et ça, il y a une urgence de le faire. Et même Dieu, il y a une question pour nous, qui pourront y aller à faire élection. Comment on va dégager sous l'autre priorité qui était bâillée de nous. Comment on va un jour en faire sécurité. Comment on voit 5 grands chantiers, comment on va réaliser. Et nous devons plus ou moins rassurer, encore une fois, que oui, il n'a pas avancé dans le bon sens. Et avec ça, quand même, nous voyons le niveau d'engagement, les promesses que vous pouvez aller, mais pas seulement pour y aller, pour y aller vite. Parce que une leçon apprise sur les derniers mois et dernières années, c'est que même le engagement faut trop de temps. Il faut que nous habituions. Le peuple haïtien a le même engagement, nous disons qu'il y a pris de telle date, il faut qu'arriver à date ça. Voici l'étendue des discussions qu'on a eu à Washington, côté que renouveler l'engagement de l'accompagnement jusqu'au bout, de prendre note du fait que nous avons une urgence, de accepter le fait que nous avons défini avec eux, mais surtout c'est nous qui avons défini. Alors, désolé, je ne sais pas si nous entendons son bien, parce que c'est des jeunes qui ont pris code sur téléphone. Mon après les pas de téléphone dans devant docteur Gary Konian, c'est à distance lié avec téléphone là dans espace là salle vinn fait que son pas sorti bien mais nous pense que nous entendez parce que me tendons petit caldo puis que son pas fin trop agréable et mais n'a essayé faire effort pour que nous entendez et plus parce que n'a pas tendel parce que si pour nous parler sur lui faut nous tendel on nous fait effort côté de l'année il a expliqué comment même il y a qu'à accompagner mieux. Donc nous rétablissons, si vous voulez, les bases autour duquel accompagnement a fait pour que l'accompagnement soit plus efficace pour nous au fur et à mesure que nous allons avancer très très rapidement sur la question de sécurité. De Washington, nous traversons dans New York. Nous avons parlé avec le Conseil de sécurité. Nous avons une belle conversation avec le même Conseil de sécurité. Côté bien, dans une certaine mesure, des scepticismes sur le succès possible de l'accompagnement ça et nous baillons le temps. Nous expliquons encore que responsabilité sécurité Haïti, c'est pour Haïti, il n'a pas responsabilité ça jusqu'au bout.
Par contre, le devoir de solidarité internationale là, sont dus et nous attendons à ce que nous gagnions en urgence de manière coordonnée et au moment où on a besoin. Et le message, vous avez pu le voir, est excessivement bien reçu en marge de réunion avec le Conseil de sécurité. Et moi, je suis organisé une grande réunion pour nous avec tout pays qui, en général, accompagne Haïti, des pays que nous pouvons engager en Haïti depuis le tremblement de terre. Nous faisons une présentation, encore une fois, sur à la fois les défis, mais les opportunités. Nous expliquons comment que son opportunité historique, accord politique, ça, qui permet des partis qui, traditionnellement, toujours en choc, je dis en tant mieux, son vision commune, et qui ça nous gagne comme stratégie pour avancer très rapidement jusqu'au bout du processus que nous fixons, c'était pour l'accord là, et comment nous allons avancer sur ça aussi, ça a été excessivement bien reçu. Les pays qui, je dis à la, justement, ont évacué l'ambassade à cause de cette situation sécuritaire, engagés, un, pour retourner le plus rapidement possible. Mais indépendamment du fait que nous allons retourner, nous avons les prix capitales, nous avons 10 capitales, qu'il faut absolument nous réengager. Nous venons tourner, nous prenons Haïti, nous remettons Haïti sur la table, parce qu'Haïti a besoin d'accompagnement. Évidemment, entre une réunion avec les différents bilatéraux, nous profitons pour rencontrer les éléments clés de la diaspora. Le passage à Miami, le Congrès Wilson organisé pour nous une rencontre avec tous élus qui sont d'origine haïtienne. Pour que nous font des discussions très, très, très pratiques sur comment la diaspora va impliquer la transition de manière concrète. Nous rassurer que pour une bonne vision, nous rassurer que pour un projet, que la population haïtienne a acheté le projet, que c'est le moment où nous sommes engagés. Et nous faisons toutes sortes de propositions, à la fois techniques, d'implication personnelle, de mobilisation, de lobby sous autorité américaine pour assurer que l'accompagnement de nos besoins. Mais nous venons tout, nous continuons même bah, là, nous faisons des rencontres avec Diaspora qui prépare une série d'événements dans les prochains mois pour que nous resensibiliser Diaspora pour la question haïtienne pour que nous puissions mobiliser de manière plus efficace. Même moi, quitter New York avec vraiment un sentiment de travail accompli, parce que nous avons cherché support et accompagnement sans lequel succès transition est beaucoup plus difficile et beaucoup plus complexe. Ça n'a pas une situation, ça, c'est qu'il faut utiliser tout asset ou bien tout sort dans le monde, tout outil ou bien boîte d'outils pour sûr que l'on commence à avancer au pas faire mal. Donc, mes côtés en gros, au point de vue coopération internationale, là. Mais nous profitons tout pendant nous Washington, fait directeur immigration en montée, parce que nous avons une réunion spécifiquement sur la question passeport. Il y a des milliers d'Haïtiens qui ont souffert, qui ont obtenu un passeport, et c'est inacceptable. Voilà. Mes messages là, et je dis bravo. Bravo avec le ministre des Affaires étrangères, là, Madame Dominique. Et bravo avec tout Haïtien tout, qui t'a aidé nous. Fait message l'arrivée côté pour le dériver ya. Sur dossier passeport et docteur Gariconi qui c'est premier ministre en même temps ministre intérieur parce qu'on connaît ça fait passeport c'est ministère d'intérieur qui coiffé et dossier immigration dans le pays d'Haïti nous t'es vraiment et dit dossier ça lié important ça nous pas dans ça fait tendance politique ou pas question bagaille gourmet opposition politique non nous besoin pour haïtien qui dans diaspora jeune passeport à temps. Si docteur Gariconi là l'a touché comme premier ministre, l'a touché comme ministre extérieur, c'est l'argent payé un peuple qui a payé, fait travail là pour le peuple là, aidez-nous jeune passeport. C'est volonté politique qui peut gagner. C'est volonté. On groupe nèg vin la sou Ariel. Yo volé. Yo pas utile rien. Après ça, on vient de aller. Tout le monde commence à oublier yo. Mais quand y a moi Ariel a marché ton chien dans Miami, alors dans les États-Unis, on qui côté, on met. Et puis l'argent payé a fait en caisse comme si stocké dans des banques en Haïti et banques à l'étranger. L'on est prend tête l'État, font bagay. Au moins, on va quitter bagay pour petit tout. Docteur Gariconi a parlé sur le dossier passeport. Important. Nous faisons réunion à l'ambassade là avec l'ambassadeur, entre autres, mais surtout avec le directeur d'immigration qui font évaluation. Et nous avons disposition pour la semaine, ça même pour assurer que très, très, très vite, question passeport, qu'on essaie de débloquer parce que son problème doit ici à travers le monde. Donc, en gros, peut-être si nous faisons un résumé pour nous, mais ça qui est gagné dans le voyage là. Et évidemment, moi, tout à fait ouvert. On a limité de questions. Ouais. Trois questions. Là, pour Lovely, les femmes d'abord. Merci. Lovely Stanley Huma, PDG M2 Souhait Média. Alors, PM Koni, en tant que chef CSPN,
pour se faire un voyage important et nous parler avec le département d'État sur la question de sécurité. Et okay. Nous avons une présence contingent policier kenyan qui est dans le pays depuis environ 2 semaines, qui effectivement a commencé le travail. Deuxième question, voyage, au premier voyage officiel PM Galconi avec quelques membres du gouvernement l'a soulevé en pile débat dans la société, que ce soit dans sur les réseaux sociaux, radio, etc. Assemblée pas gagné guitare CPT1 avec primature pas bien accordé qui sont à répondre sur question ça pour élucider pour population. Merci Bobby. Sur première question très important, lundi fait arrangement pour le chef police là avec le chef contingent kenyan a organisé un point de presse pour nous pour nous ban exactement ça qu'a fait, ça qu'a fait déjà, comment il a fait et en gros côté nous parler inclure un bilan. On voit bien chef police là avec chef contingent kenyan et probablement ministre de la justice là tout. On va faire beaucoup plus de réponses, beaucoup plus en détail sur ça. Évidemment, j'en ai souligné, j'en ai dit, la police pas jamais suspendre faire opération, la police pas jamais suspendre travail et a continué faire opération, a continué travail et Kenyan là vraiment pour supporter nous, accompagner nous et côté que vraiment nous pouvons que nous faire. Deuxième question, effectivement, madame là-bas, nous avons bah, la front paquet de. Ce que nous avons dit, nous avons sûr, c'est que nous avons fait deux bagages. Nous avons écrit CPA à temps, et CPA évidemment, nous recevons l'être à temps. Et comme je le fais en plus de l'être envoyé, m'assurer que nous avons texte dans chaque CPA en particulier pour nous dire que nous voulons l'être. Si jamais nous pouvons recevoir l'être là venu, mais voici dans quelles conditions. Non, je parle, voici pourquoi je parle. C'est après avoir eu évidemment des discussions informelles là-dessus. Donc, moi, j'ai l'impression que c'est des problèmes de communication, de plus de choses. Mais nous-mêmes, nous voyons que administrativement, nous faisons tout ça, nous faisons pour nous faire. Et nous sommes informés en temps réel de l'objectif et de ça, nous avons réalisé. Donc, bonne occasion tout pour nous dire que, encore une fois, dimanche, c'est dimanche qui a été dans le cadre de coopération externe. Et évidemment, du ressort du gouvernement. Qu'on a discuté du partenariat dans le cadre du développement et de la sécurité. Et régulièrement, tout est disponible pour des bails CPA, des comptes rendus sur l'état d'avancement et discussion, si jamais il y a des guerres. Mais nous voyons que les discussions encore, je vous avais dit lundi, mardi, c'est sûr que nous n'avons pas pris de travail à l'autre. Et dans le cadre d'apprentissage, ça, c'est au fur et à mesure que nous parlons de la communication qu'on a fait. Que toute partie est responsable. MKZ, vraiment, vraiment, et même les personnes de ça, jusqu'à présent, collaboration, coordination, dialogue avec CPA, excessivement constructif, et même persuadé que l'on continue à avancer pour délivrer pour le peuple haïtien. Et MKZ, bonjour, PM, bon retour à Port-au-Prince. Je suis Jean-Alain MKZ, de la Cour de la Cité de l'Info. Et pour gagner, comme c'est nommé Germain qui fait ce même ça avec tableau, l'appui de 2017 et financement, ça aide tout le développement, il va arriver à concrétiser, il va réaliser, sont plus de mécanismes, sont soulignés dans la haute satisfaction. On habitué des institutions internationales pour nous vouloir. Est-ce que nous, on a dernier trimestre d'exercice dans le monde? Est-ce que ça veut dire, on va l'accélérer parce que nous avons 40 millions de dollars et ça vient là, on est plus, on va l'accélérer le processus, on est plus, on va tirer ces visions. Dialogue. Non, il y a tout à l'heure, il y a tout à l'heure, il y a tout à l'heure. Les autres aussi, il y a tout à l'heure, dossier sur l'estomac. Nous sommes à la dernière conférence de Maï. La mise là, on dit déposer les armes, respecter l'autorité de l'État, et avant tout, l'autre disposition. Nous nous voulons qu'on ait acheté ces zéro tolérance, dialogue, comme chef, et comme Mathieu, le chef CSPL, et nous ne voulons pas être là sur ça. Merci pour deux questions, ça, parce que c'est très, très, très important. J'en ai dit, moi-même, je vais regarder, et c'est le premier ça me fait, parce que c'est une déformation naturelle, je vais regarder, moi, ça me vient comme ressource. C'est même, moi, niveau d'accompagnement que la communauté internationale a dans nous. Je vais regarder, moi, par exemple, même assistance humanitaire, moi, moins de 30%, vous trouvez que solidarité a, il faut aller chercher. Et j'en ai expliqué, je comprends pour qui ça a un problème, je comprends pour qui ça a une crise, et je comprends pour qui ça a un gouvernement qui a dit, je ne peux pas voir côté ça a sorti, donc je fais un choix. Quoi notre priorité, nous fait choix ça. Donc, c'est responsabilité, pas nous tous. Et ça, je pense, je m'en apprends. Les loyers pour Haïti, hein, c'est Haïtien qui peut le faire. C'est très, très important.
Donc il est très important pour l'autre bois pour faire ça. Mais ce n'est pas 40 millions seulement. Pour nuance que nous avons fait. Généralement, ça qui vient dans l'accompagnement, c'est que, et c'est normal, partenaires nous ont fait des plans depuis l'année dernière. Ils ont fait des plans depuis 2 ans. Ils ont avancé sur des projets et des programmes que ont fait depuis 2 ans. Mais nous avons une réalité relativement nouvelle. Côté pour gagner une nouvelle gouvernance avec 5 piliers, avec 5 priorités. Si vous n'avez pas intervenu tout de suite, aussi bizarre que ça puisse te paraître, partenaires ont continué sur le même plan de guerre. C'est important pour aller vous dire attention. Quel que soit ce que vous voyez après un an et demi, 2 ans, vous voyez dans le contexte que vous avez. Il y a l'autre urgence. Il y a 70% de l'hôpital qui n'a pas fonctionné dans un métropolitain. Il faut que vous mettez à disposition pour vous arranger tout de suite. Il y a un commissariat, il y a 10 ans pour nous construire au fur et à mesure que nous avons avancé la question de sécurité et justice pour nous construire tout de suite. Et nous avons dit que c'est une démarche volontaire qui doit se faire pour réorganiser son gain dans le portefeuille autour de priorité de l'heure. Donc ça, son premier gros réalisation, c'est pour ça que le ministre Finance et le gouverneur l'a arrêté après Washington pour regarder le portefeuille en fonction de. Comme nous avons rencontré qui est responsable donc FNB ou d'accord avec nous, pour nous regarder le portefeuille en fonction de ça. C'est contextualisation et accompagnement sous portefeuille existant que nous obligés de faire rapidement. Et ça, nous avons que c'est déjà un grand succès. Troisième élément, c'est que la quantité nouvelle n'est pas suffisante. Et là, nous disons qu'il faut que nous travaillons avec nous très rapidement pour que dans les prochains mois, nous sommes parce que nous avons faire. Et si nous voulons, il y a un exemple que nous avons donné. C'est quand vous êtes malade, pour ce plan maladie, il faut une dose 100 pendant 10 jours. La communauté internationale a une tendance à 40 pendant 5 jours. Et malgré vous dire que nous voulons un engagement continu sur une période relativement longue avec un engagement qui est substantif et que nous-mêmes, en échange, nous n'avons pas de responsabilité, nous n'avons pas de transparence. Nous n'avons pas arrangé nos gens pour nous prendre un engagement au Kembil. Nous n'avons pas pensé à avoir en temps réel. Nous avons même son besoin pour continuer à accompagner. Ça, c'est le troisième bagage. Un fait concret, nous avons une grosse discussion à faire qui est essentielle pour nous, que nous portons aux États-Unis, c'est sur Hope Help. Avant d'aller, nous connaissons que Hope Help, c'est un accord qui vient avec les États-Unis qui donne des conditions préférentielles et qui permettent que nous puissions fonctionner en Haïti et exporter vers les États-Unis. Et il y a plusieurs milliers de monde qui viennent travailler à cause de ça. Bon, ça a expiré en 2025, il était absolument important pour moi pour me rallier, pour commencer à faire des matchs, pour lui annoncer que la communauté d'ici 2025, c'est moi qui ai un rapport direct avec l'emploi que nous avons. Donc, c'est ensemble de discussions que nous avons fait. Un, pour maintenir l'existant, parce que 40 millions de dollars, nous devons nous perdre. Deux, pour l'existant, nous recalibrer en fonction de priorité Kounia. Côté nouvelle année, Kounia, ça a besoin de Kounia, on a besoin d'hôpital. Le roi nous tourne à la caille, on a besoin d'aide pour reconstruire caille. Le roi nous tourne dans le quartier, on a besoin d'école dans le quartier. Donc, il faut que la communauté apparaisse pour assister, mais ça a besoin de Kounia. Deux, trois, l'heure et le temps pour prendre au sérieux et pour prendre un accompagnement. Le prochain gouvernement qui va venir, il joint vraiment une communauté internationale qui parie pour avancer avec très, 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 très rapidement. Donc, c'est trois bagages que nous tenons. Sur la troisième question, sur la deuxième question, pardon, effectivement, moi, ça, et me peut réfléchir à comment on peut peut-être aider à clarifier la situation. Et pour moi, la question de sécurité, il y a 4 priorités. La première priorité, moi, c'est que tout côté, l'État va là, faut retourner avec l'État. Afin de territoire que le pas contrôler, son priorité pour moi, pour l'État reprendre place. Retourner institution, retourner et que zone retourner en possession, en contrôle, en supervision de l'État. Deuxièmement, et ça c'est une grosse priorité, il faut que nous soyons capables de retourner la caille. Il faut absolument que nous soyons capables de retourner la caille. Troisième priorité, il faut que nous soyons capables de circuler dans le pays sans que sauter. Absolument sans que sauter, monter, descendre, comme tout dans tout pays normal. Quatrième priorité, c'est que le monde qui est victime, il faut que vous jouiez justice et réparation. Il faut que vous jouiez justice et réparation. Tout ça me fait depuis une minute, et tout ça me fait, je vous dis, bien le voyage, et tout ça me va le faire dans les prochains mois, on a même clair, c'est autour de 4 priorités. Nous activer, nous faciliter, nous faire tout ça, nous sommes capables de nous contingents. La
on travaille avec la police pour nous renforcer. On travaille avec la justice pour la justice présente. On travaille avec les partenaires pour nous bannir les équipements qu'il faut pour que notre police soit prête. Nous créons une task force avec la police et l'armée pour nous capables d'agir en tandem et pour nous être capables beaucoup plus efficaces dans cette affaire. On a analysé avec toute équipe, toute entité minière, comment nous allons avancer pour récupérer et nous dire ça plusieurs fois, quartier, maison par maison, quartier par quartier, ville par ville. Côté Mbralia, nous supposons nous comprendre. Et c'est sur ça la continuer à aller. C'est clair. Pas de débat. Il y a quatre bagailles que pour nous capables de sortir dans cette manière-là, de manière durable, il faut que les victimes joignent justice. Il le faut. Pas de l'autre gens. Et c'est ça l'histoire à travers le monde. Bon. Nous pas si peut-être ça a une suite des cours un peu mieux, ça nous dit. Donc, déposer les armes, il y a un programme là pour ça. Pas qu'à y aucune discussion pendant qu'on prend un fusil, un revolver, des armes, quoi que ce soit, c'est la première logique. Deuxièmement, reconnaître l'autorité de l'État, laisser l'État qui contrôle l'autorité, pour qu'à camper là, et bien qu'on dit, nous ne pouvons pas là. Reconnaître l'autorité de l'État, si la justice a cherché, il faut présenter devant la justice. C'est l'État qui a cherché. Bah ouais, comme on capte. Le Gouniaou reconnaît quoi? C'était l'autorité de l'État. Ce cas, sous le débat, nous n'avons pas parlé. Nous avons discuté. Nous avons fait sauver. Et Dr. Gary Koni a fait une intervention qui est plus importante dans le cadre de série. Et, alors, point de presse là. C'est parti qui est plus important maintenant. Il s'agit de sécurité. Toute l'autre parole, mais tu as parlé, nous sommes toujours contents de vous. Mais c'est la vie moun qui est important pour nous. En outre de ça que la répondre suite avec demande Jimmy Chérise Barbecue ou du moins appel Jimmy Chérise Barbecue faire. Entendez avec un pile intérêt peuple haïtien et puis quittez commentaire, c'est très intéressant. Quittez commentaire là. Maison par maison, quartier par quartier, ville par ville. Côté Mbralia, nous supposons nous comprendre et c'est sous ça la continuer à aller, c'est clair. Pas de débat. Il y a quatre bagailles que pour nous capables de sortir dans cette manière-là de manière durable, il faut que les victimes joignent justice. Il le faut. Pas de l'autre gens. Et c'est ça l'histoire à travers le monde. Bon. Nous pas si peut-être ça a une suite des cours un peu mieux, ça nous dit. Donc, déposer les armes, il y a un programme là pour ça, pas qu'il y ait aucune discussion. Pendant qu'on prend un fusil, un revolver, des armes, quoi que ce soit, c'est la première logique. Deuxièmement, reconnaître l'autorité de l'État, laisser l'État qui contrôle l'autorité, pour qu'on campe là, et bien qu'on dit, nous ne pouvons pas là. Reconnaître l'autorité de l'État, si la justice a cherché, il faut présenter devant la justice. C'est l'État qui a cherché. Bah ouais, comment on peut faire. Le Gouniaou reconnaît quoi? C'était l'autorité de l'État. Ce cas, sous le débat, nous n'avons pas parlé. On a discuté. Nous avons fait sauver, mais il y a des choses préalables. Et c'est sous ça notre travail, nous-mêmes, depuis 2 semaines, 3 semaines, depuis le gouvernement en mémoire. Et m'a profité de ça. Bon, il se passe limité. Nous pas prendre les filles pour déposer les armes, pour suspendre le monnage. Nous disons l'autre jour, film ça va gagner l'autre genre. Haïti n'a pas perdu. Ça prend un jour, ça prend 2 jours, ça prend une semaine, mais nous n'avons pas perdu la bataille. Ça. Et peut pas ici avoir le champ de suspendre la bataille. Donc bonne fenêtre. Vous déposez les armes, vous reconnaître l'autorité. Est-ce que suffisamment clair, je tiens, est-ce qu'il y a un doute sur le côté de moi? Est-ce qu'il y a un doute sur l'arrangement nous avec la photo de moi? Est-ce que nous avons d'autres constructions qu'a fait autour de nous? Que nous ne pouvons pas quartier, nous ne pouvons pas caille, nous ne pouvons pas vie nous et que nous ne pouvons pas payer. Si nous avons d'autres sur ça, je veux dire à nous de vous donner pas de doute sur ça. Belle parole. J'espère que ça finit avec tout le bagage sur les réseaux sociaux. Peut-être que si tu permets, nous pouvons finir. Mes amis, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, par exemple, une intoxication. Nous, même journalistes dans la presse, nous prenons un conseil de bagaille, nous prenons un conseil de corruption. L'autre dit qu'on s'accueille, on ne peut pas quitter ou faire abus l'administration publique là.
l'on commence à dire comme ça que on pas quitter le balkanisé administration publique là pour le meilleur façon l'autre pour pas attaquer problème passeport l'autre pour pas avancer ou même sur l'élection. Attendons à ce qu'il y ait pile intoxication et défiltrer ce qui est vrai, ce qui est vraisemblable. Mon équipe de presse est toujours disponible pour nous rétablir la vérité. Je dis à la force, tout le monde dans le pays a fait une coalition combite pour nous sortir de sa lumière. On ne peut pas perdre du temps dans la rivalité. On ne peut pas perdre du temps, ça. Population capitale. On nous était sur le côté de la balance. On nous voit côté de la vérité. Puis on travaille ensemble. C'est ça ma première. Oui, ma dernière question avec Wouters. Wouters. Bonjour, mais ça continue à attaquer à répétition par le point international. Là. Il y a une formation qui a fait quoi tout. Bon, il y a nous-mêmes, nous ne pouvons pas jouer l'autre. Donc, ça qui est la cause à répétition, mais sur nous, toujours à attaquer, brûler, cibler et mettre nous en plus de l'autre. Est-ce qu'on peut avoir des informations ça et quelle réaction par rapport avec ça, qui sont tout fait. Ça nous considère que les bases de point international sont une bonne stratégie. Merci beaucoup. Au courant, il me cadre que le chef Costa parle avec nous 10 fois par jour pour nous donner tout le détail. C'est pour ça d'ailleurs que nous disons moi demi pour nous mettre à ta disposition pour répondre plus concrètement à la question. On a compris une presse strictement sous la police. Et pour mettre nous que les salles ont toutes questions et informations capsiculées ou après que vous êtes certainement biaisés. Et c'est toujours comme ça, ils vont fond, mais ils biaisent. Donc maintenant, nous, s'il te plaît, maintenant nous le dit. Et là, bien, j'ai la police là avec Jean Dibouto et chef contingent Kenyan, de justice là, qui a pris sa vie vraiment pour pouvoir répondre à ça. Un point de vue, il y a des questions. Mais Wouters, vraiment des questions. Wouters, souhaite avoir 6 minutes. 72 heures de temps pour. Ouais. Non, non, mais c'est vrai, il m'a dit ça, 72 heures de temps. Et. Une nouvelle pour ça, sous pas de l'embauchement. C'est moi qui ai vu ma responsabilité. Tout le monde peut être dans le chemin. Je ne vais pas demander pour ma commission. Mais par contre, j'aime ce tour-là. Je ne vais pas être éternel. Tout le monde peut être éternel. Ça me cadre aussi. Wouters, dernière question. Bonjour, bien. Je suis Steve Alstine. Je suis Wouters avec Elise News. Nous avons parlé, c'est comme si c'était dans le conseil des ministres. Parce que nous-mêmes, comme journalistes, nous avons besoin de dates, nous avons besoin de. Nous avons besoin de la concrète, nous avons besoin de chiffres. Nous sommes fait pèlerinage international là, avec le tribunal international là, dans le Mali, où il a beaucoup de monde. Comme journaliste, nous avons besoin de qui ça le concret, le promet où, et qui date la exécution. Ça, c'est la première question. Deuxième question, maintenant, nous savons qui sont les soldats qui ont la police, qui ont la police à la docteur, il y a un bon journaliste qui fait pèlerinage sur nous. Nous, policiers, Kenyans, je vais m'ambassade américaine, je vais toute la vie, mais jamais je ne vais pas opération conjointe avec la police. Mais je vais qu'il est, il y a pas pris une opération conjointe avec la police. Deuxièmement, je vais connaître qui date, qui est censé dernier, qui date limite là, pour tout groupe international entré ou opération d'armée. Merci, Wouters. Merci. Très bonne question. Comment c'est pas pour rien? Nous ne pas le droit pour nous dire, mais humain. C'était 10 dollars, c'était 50 dollars, c'était pas le but. Le but, c'est que ça me fait son réengagement réel en Haïti et je l'ai obtenu. Mais pour ça, on ne voit encore que formalité nous-mêmes. Donc, c'est pas qu'on voit, moi, c'est quand même besoin. Et moi, processus là, qu'on y a pour définir exactement ça, le besoin. Chaque jour, on quitte le ministre des Affaires étrangères, on voit avec le gouverneur, et on travaille avec la communauté internationale pour le définir en fonction de feuilles de route qui fait tout. Ça nous voit le besoin. Et c'est ça nous voit le besoin, là, dit au Bagayou, c'est à deux étapes. Et c'est toujours comme ça sur le point. Nous devons retourner dans la capitale, nous devons faire réajustement. Et plus important, nous devons décider si vraiment nous pouvons l'embaucher. Le premier barrière pour faire en matière de mobilisation de ressources internationales, c'est rassurer les partenaires que nous mettons à compagnie. Et ça, c'est du concret. Et très bien, très vite, pour sentir des résultats concrets.
et bon déjà le fait que presque tout le portefeuille on va regarder pour réajuster pour bâtir les moyens pour faire ça bien pour faire ça aussi c'est du bon mais nous pas t'as la boîte en dessous avec le chiffre là tel qu'on va chercher par contre ceux qui se préparent pour te donner raison ils le savent peut-être pour quand même accompagner nous nous prévoir de nous parler à tout ça pour nous organiser une table ronde avec tout partenaire probablement dans les prochains mois d'ici la fin de l'été pour te le savoir nous venir avec un document qui dit que pour nous finir la transition, pour nous déraper le nouveau gouvernement, mais ça nous besoin. Et là, chaque partenaire nous dit nous, mes contributions pas. Son deuxième dimanche, ce n'est pas la première dimanche. Évidemment, ça, c'est un moment développé, que la fin développée. J'ai compris de mon équipe que nous, pratiquement, nous avons le grand conseil présidentiel là avec, qui a gardé tout pour voir si ça correspond à 5 grands chantiers. Et là, nous, même ici, nous à l'aise, ça nous a fait, ça nous besoin. Le savoir, nous allons rentrer pour déposer tout ça. Ce n'était pas l'objectif cette fois-ci. L'objectif que nous avons été plus souple, c'est de rétablir le leadership, de plaidoyer sur Haïti, hein, aux Haïtiens. Un, rassurer nos amis que nous prenons ça à faire. Deux, trois, faire comprendre que le dossier haïtien, ce dossier, nous demandons solidarité en urgence, parce que le peuple a besoin d'assistance en urgence. Quatre, et cinq, faire comprendre que nous-mêmes n'avons pas avancé et que nous avons joué partition par nous, qui c'est bailleur les garanties que nous avons besoin pour accompagner. Et c'est ça, Nani, c'est ça que nous pensons que nous réalisons. Une deuxième question posée, non, c'était sur soldat Kenyaro et nous avons des ambassades américaines. Nous avons demandé pas d'opération avec la police. Qu'il a commencé l'opération conjointe avec la police. Et deuxièmement, c'est qui date qui limite pour tout groupe international y entrer. L'autre bagage, c'est que nous avons interviewé notre très bien sur les réseaux sociaux, nous soldat Kenyaro, qui fait qu'on est que lui-même, nous avons la police. Et nous avons demandé qui mission nous avons. Ok, merci. Il faut prendre une attention pour m'opinier sur possiblement ou interview que possiblement on soit là qui a fait son commentaire plus difficile. Mais par contre, nous mettons tout pour me chercher pour voir le demain. Ensuite, moi, je demande bonjour mardi matin à 10h, police avec soldat Kenya pour l'entrée en bas la ville, rue 3, numéro 10, on ne peut pas faire ça. Niveau de détail, ça, malheureusement, on ne peut pas faire ça. Mais vous comprenez l'impatience, vous comprenez l'urgence, c'est illégitime. Et vous voulez une réaction parce que la population a souffert et l'âme avant. Même nous avons deux bagailles, lundi, chef police a beaucoup plus de détails, le cas du tout, qu'il a travaillé activement depuis plusieurs jours avec, avec chef contingent sous stratégie. Et ouais, plutôt quitter chef police là lui-même lundi, il y a un peu plus de détails sur ça. Question légitime, impatience non légitime, moi impatient tout, moi pour mettre qu'on n'a pas avancé, m'a profité de tout le monde qui prend dans le brigadage, espace là à fermer au fur et à mesure. À fermer au fur et à mesure. Je ne veux pas ici en pas perdre la bataille, ça n'a changé de tête pour ça, je veux dire. C'est ça le cadre sur ça. Chers amis, merci, vraiment merci, merci beaucoup. Content de tourner la caméra. Et puis bon, t'as pour régulièrement nous comme ça. Merci, hein, tout le monde. Merci. Merci. Quand il y a une bouche douce, PM en tout cas, moi-même, j'ai été chargé, oui. Bouche la douce, quand on s'y ou. En tout cas, est-ce que nous avons un commentaire? Alors, je souhaite que nous fassions un commentaire, nous, yo. Dites tout ça que nous pensons, yo. C'est extrêmement important. Vous comprenez moi? Et parce que commentaire pour lancer le qui comptait. Et, faut nous commenter pour nous dire tout ça que nous pensons tout naturellement. Et j'aime dire nous, nous attendons le Premier ministre là qui a explication sur le déplacement. Li. Et il dit pas de marche à un bol cuit. On cuit dans le boule d'ab, dit mettez ça moins. Et. Mais peut-être c'est de l'autre bagaille. Bon, de toute façon, c'est pas là, c'est pas ça de base, parce que nous même pour le moment, c'est pas ça qui est intéressant pour nous. C'est garder comment pour nous, pour moun Port-au-Prince capable de marcher, moun capable de sortir dans le sud pour rentrer Port-au-Prince sans qu'il n'y ait pas de bout de bas, pas de tilapli, pas de bout de kilik, cap kidnapper, cap tuer, cap violer, pas de zam, sans que moun n'y ait pas de zam encore. Parce que le peuple a pas de 4 ans là depuis après zam, gros zam, a maltraité, a fini avec le peuple là, sent-il saturé. Ça veut dire que nous voulons finir. Avec gens de pratique ça yo et nous pas ka tolérer ça encore faut nous mettre et on freine ça OK li extrêmement important pour naturellement nous mettre yon freine ça j'aime dire là batalan pas gen camper là-dedans pas gen camper et pas passer pour quatre chemin pas gen tolérance
pour vagabond, pas de tolérance pour criminel, pas de tolérance pour assassin. Ça que vous faites là, c'est lui qui doit faire. Dossier commissaire Jean-Ernest Muscadet. Je dis, il y a un pile débat, parce que un dossier samedi dit non pas by vague. Et Valérie Numa, qui prend le dossier commissaire Muscadet en tout, pour lui-même, parce que il estime que le sacrifice que Muscadet a fait, il n'y a pas qu'à quitter un simple vagabond qui est le Pierre Espérance à attaquer le sacrifice que Muscadet a fait. En outre de Valérie Numa qui t'a intervenu sur le dossier, Pierre Espérance qui a demandé révocation ou qui a fait complot pour t'assassiner et révoquer le commissaire Muscadet. Entendez? Je dis à ces Muscadet ont estimé qu'il problème pays a moi metto dans même lot à bandi tout. Ça dit que et au soir me dit qu'il y a trois catégories, il y a bandi yo, il y a allié bandi yo, il y a monde qui sous influence bandi yo. Depuis mon jodi a mon ouais qui mérité attaqué et pour ouais c'est commissaire Muscadet lié ou son allié bandi période. Je dis à, ou son allié bandit. Aussi simple que ça. Ok? Et c'est pour ça, m'ba regrette que, m'ba nan micro, m'na fait interview avec, moun. Parce que moun d'avine campé. C'est ça, on raconte devant, m'dabdou mon frère, assumé responsabilité, ou son allié bandit. Période. Allié gang, c'est fini. Ok? C'est pour ça, je dis à, pour nous décider, pour nous dire que, des nègres à porter dans la radio, si bio, c'est Muscadet. Ou bizarre. Nous t'avons des maîtres avocats, nous t'avons des mounes dans la question de droits humains, et ben, comme ça, il y a parlé de bail, et commission internationale droits moun, pour ceci, pour cela. Toutes ces gangs, dès qu'on est capable de monter, là, pour la bataille, Muscadet, ou pas moun, son voleur, son assassin, c'est gang, oui, et peuple a dû prendre note, nation a dû prendre note, parce qu'ou pas moun, ou méchant. Et ça qui a passé dans le pays, il n'est pas acceptable. Pour nous quitter des voyous, des vagabonds, fait n'importe de blouse dans nos pays pour nous tolérer. Non, il n'est pas acceptable. Faut nous battre contre ça. Commissaire Jean-Ernest Muscadet, salue vous. Et nous avons jusqu'au bout. Parce que nous croyons en bataille, peuple pas qu'on perd du bataille. Peuple avec vous, ou bataille pour peuple là, n'a pas bataille pour côté ou nous camper derrière, nous supporter ou nous pas perdre du bataille. Parce que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Merci un peu tout le monde. Kembe là.